Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo un petit peu de présentation par rapport à quelque chose qu'on me demande depuis un moment et que je devais faire depuis un moment. Donc bah, comme vous l'avez dans le titre et autres, tout simplement une foire aux questions. Juste avant de parler de la foire aux questions, aussi une petite actu par rapport à la chaîne, que ce soit YouTube ou Twitch. Vous allez voir maintenant le logo Surfire qui est en haut et bah, vous allez vous poser la question, et normal, de se dire mais du coup qu'est-ce que c'est que ça? Tout simplement, eh bien, j'ai le plaisir de vous annoncer, eh bien, que j'ai de nouveau un partenaire pour bah, m'aider justement dans mes différents projets de stream et d'événements. C'est Surfire. Donc Surfire, si vous ne connaissez pas, c'est tout simplement la marque gaming de Verbatim et qui va du coup eh bien, tout simplement m'aider dans pas mal de projets. Et eh bien Verbatim, si vous connaissez normalement un petit peu plus, puisque c'est tout simplement une marque qui était spécialisée dans tout ce qui est support et périphérique, on va dire, lié au stockage, donc des cartes mémoire, des cartes USB, des disques durs externes, etc. Et en gros, bah, ils ont envie de s'attaquer au marché du jamming, du gaming, et du coup, eh bien, ils ont créé cette marque gaming Surfire. Et du coup, eh bien, justement, ils font pas mal de choses, notamment les disques durs externes en HDD ou en SSD. Donc ça, c'est assez intéressant. Et il y aura le lien du coup dans la description. Il y aura toujours bien sûr le sponsor sur les vidéos, donc pour pas que vous soyez complètement perdu. Et bah, n'hésitez pas à acheter un coup d'œil justement avec le lien qui est dans la description, à aller voir un petit peu si vous avez besoin de racheter bah, du matériel ou autre. Pensez-y, hein, en passant par ce lien là, bah, moi ça permet de mesurer un petit peu tout simplement le partenariat. Donc faut vraiment pas hésiter, sachant que c'est un rapport qualité-prix. C'est pas forcément leur objectif n'est pas forcément de devenir la marque dominante du secteur qui va être tout simplement le meilleur en termes de qualité, qui va concurrencer le top du top. L'objectif, c'est tout simplement d'avoir un rapport qualité-prix qui est bien, et on se fout pas de votre gueule avec des produits qui sont pas non plus hors de prix mais qui sont quand même très efficaces. Donc moi j'aime beaucoup la démarche dans laquelle ils sont, et ils sont venus me voir, et moi je vous avoue que bah, déjà là on m'a envoyé un disque dur et j'ai déjà acheté du Verbatim en termes de disque dur. Donc bah, je vais me laisser tenter aussi pour Surfire. Donc voilà, n'hésitez pas, il y a énormément de choses, hein, des souris, des casques, des enceintes. Et d'ailleurs les enceintes, on les fera gagner sur Verbatim nous en a donné pour faire gagner sur le prochain tournoi sub qui aura lieu la semaine prochaine. Donc ça c'est plutôt cool. Des supports souris, et ça j'attends avec impatience. Je sais, on se dit c'est bizarre, c'est pas terrible et tout, mais un support souris, moi j'en ai un et c'est vachement important. Des tapis de souris, ça c'est plutôt cool aussi, parce que les tapis de souris généralement c'est assez cher, et là ils sont plutôt abordables. Donc ouais, les disques durs, ça c'est un peu leur cœur de métier, hein, disque dur externe. Des refroidisseurs pour PC portable, des enceintes, ça j'en ai déjà parlé, et arrivera plus tard des claviers, parce que le problème c'est que les claviers pour le moment ils sont que en QWERTY, donc ils sont pas trouvables en France, mais dans quelques mois arrivent normalement les claviers AZERTY. Donc voilà, c'était pour vous, pour pas que vous soyez surpris si maintenant vous voyez Surfire sur toutes les vidéos, c'est normal. Et encore une fois, bah, ce sera dans la description sur toutes les vidéos, donc n'hésitez pas à y jeter un œil. Revenons un petit peu à nos moutons, en l'occurrence tout simplement la foire aux questions, puisque ça fait très longtemps que je devais en refaire une. On m'avait pas mal posé, des fois on me pose toujours des questions et c'est un plaisir d'y répondre. Mais contrairement aux foires aux questions que j'ai pu faire il y a 4-5 ans, j'ai décidé de centraliser tout sur la vidéo YouTube. Donc n'hésitez pas à me poser des questions, que ce soit concernant mon activité, que ce soit en termes de streamer. Vous savez, je vous laisse bien sûr être juge des questions. Essayons de faire en sorte qu'elles soient pertinentes. Et j'y répondrai. Alors, pourquoi justement cette foire aux questions? Bah, déjà, je me disais que ça faisait un moment que j'aurais dû en faire une. Mais surtout, bah, c'est vrai que lors du stream caritatif que vous avez peut-être suivi, je mettrai les VOD sur YouTube aussi, du live event, qui était justement donc un stream caritatif où on devait essayer de récolter des fonds pour la fondation Analgesia. Fondation qui lutte contre tout simplement les douleurs chroniques. Et de toute façon, dans les VOD, ce sera bien mieux expliqué, là, puisque j'en ai souvent parlé. Mais en l'occurrence, donc dans cette optique, on avait fait un donation goal. En gros, bah, plus les gens participent à l'événement caritatif, et plus j'allais avoir des défis, on va dire, jouer à des jeux auxquels j'ai pas l'habitude de jouer, faire des choses auxquelles j'ai pas l'habitude, hein, les castes de foot par exemple récemment. Et du coup, bah, on s'était dit un petit truc facile à organiser. Enfin, c'est pas facile à organiser, mais un truc qui plaît souvent aux gens, et c'est l'occasion aussi de partager des choses, c'est la foire aux questions. Donc
N'hésitez pas dans les commentaires de cette vidéo à poser plein de questions. Je mettrai tout ça sur Twitter, Facebook, mais faudra répondre ici dans les commentaires. N'hésitez pas, voilà, à me demander, bah, par exemple, je sais pas, hein, vraiment, un exemple, je sais pas, quelle est ta coupe de cheveux préférée, voilà. Non, j'aurais pas dû dire ça parce que vous allez vraiment le faire. Je sais pas, quelle est ta race préférée dans Warcraft, quelle est ta campagne préférée dans Starcraft, quel est ton héros préféré dans Diablo, enfin je sais pas, quel est le perso que tu veux voir rework sur Heroes, enfin je sais pas, n'importe quelle question, ça peut être des trucs. Alors si c'est trop privé, peut-être que j'en parlerai pas, mais faut pas hésiter et je trierai bien sûr, j'essaierai de répondre à un max de questions. Donc voilà, n'hésitez pas, c'est dans les commentaires, je vous fais plein de bisous, je vais pas rallonger la vidéo pour rien. N'hésitez pas, voilà, c'est ce que je dis, parce que c'est l'objet, c'est sympa, ça fait très longtemps que j'en ai pas fait de foire aux questions, donc la dernière fois j'avais fait sur Twitter, Facebook, tout ça, je m'étais perdu, donc on va tout centraliser ici, donc voilà, je pense que j'ai fait le tour. Plein de bisous, soyez quand même pas non plus complètement foufou dans les questions, parce que des fois ça part très loin. On se dit à bientôt dans une prochaine vidéo, à plus dans le Nexus, bisous. N'oubliez pas qu'il faut suivre les réseaux sociaux. La page Facebook, le compte Twitter et évidemment la notification YouTube. Vous pouvez également passer sur le site. Et sur le site, c'est rien à voir avec les Jedi. Bisous.